la gestion des déchets, les éco-villages, l'agroécologie, les compostages. Donc, parmi l'ensemble de la panoplie de ces solutions, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment la promotion de l'agroécologie, surtout dans la région de Tillabéri, de Dosso et même de Niamey, s'il faut le dire, la région du fleuve. Parce que non seulement ces régions ont du potentiel par rapport à la disponibilité des ressources en eau, par rapport à la disponibilité des terres fertiles. Bien sûr qu'il y a quelques difficultés qui existent, mais je pense qu'avec les avantages que nous avons, on peut véritablement promouvoir l'agroécologie dans cette zone du Niger. C'est une zone où la migration est assez connue, l'exode rural, l'exode urbain et tout. Je pense que c'est des solutions qui permettront à court et à long terme d'aider les communautés, d'aider les jeunes à rester au village pour travailler la terre, pour que véritablement la terre puisse nourrir les hommes, comme on le dit. La terre ne trahit jamais, ne ment pas, comme on le dit, mais avec l'approche agroécologique, nous pouvons continuer à travailler la terre, à bénéficier des avantages de la terre. Donc voilà, entre autres, pour nous les solutions. Et en tant que représentant d'une structure de jeunesse aussi, c'est de promouvoir cette approche auprès de la jeunesse, c'est de cultiver aussi l'esprit d'entrepreneuriat vert en milieu jeune.